Salut, capitaine. Tout va comme tu veux? Ça dépend ce que t'as à me dire. Même coup de tampon fait à l'encre indélébile. Mais l'encre a l'air pure, pas de traces de sueur. Probablement postérieure à la mort. On lui a d'abord brisé les cervicales. Et puis on lui a enfoncé une lame fine et courte d'une dizaine de centimètres. Juste à la jonction de la tête et du cou, au niveau du rachis cervical. Il a dû s'approcher par l'arrière, a maintenu sa victime par le menton et a enfoncé la lame d'acoustique et précis. Du très bon boulot. Mort instantanée. Même taille de caractère, même typo, même relief légèrement ombré du chiffre. Il y a forcément un lien entre les deux affaires. Reste à savoir quel rapport il peut y avoir entre une institutrice à la retraite du Pas-de-Calais et un jeune homo parisien des quartiers chics. Attendez. Avant le 2, il doit y avoir le 1. Et avant le 5, il y a forcément le 3 et le 4. Non? Il n'y a pas de 1, 3, 4 dans le fichier, j'ai déjà regardé. Ah bon? Et alors? Alors rien, il numérote dans le désordre. Pourquoi il fait ça? Jusqu'où il ira? Édition Martial, bonjour. Je vous fais patienter, monsieur. Édition Martial, bonjour. Ah non, Julie Martial n'est pas encore arrivée. Je vais pouvoir vous passer son assistante. Non, mais on attend, je ne peux pas être partout. Je lui ai dit de vous rappeler, au revoir. Bonjour. Bonjour, Julie. Encore? Le jeune homme insouciant promenait son chien, c'est alors qu'une ombre surgit des ténèbres, la lame effilée s'enfonça dans la nuque du garçon qui s'effondra sans un cri. Fabien Danvers assassiné quai d'Anjou d'un coup de stylet dans la nuque, un 5 tatoué sous le front. Capitaine Simon de la criminelle se refuse à tout commentaire sur cette affaire. Bonjour, je voudrais le numéro de la police criminelle à Paris, s'il vous plaît. Non, donnez-le-moi. Oui? Votre rendez-vous est arrivé, je fais entrer. Quel rendez-vous? Merci. Jérôme Gallois, vous vous souvenez? Auteur d'un polar publié par vous l'année dernière et vendu à 40 000 exemplaires. On avait rendez-vous ce matin à 10h pour parler de mon manuscrit. Ben justement, il est 10h. Mais peut-être que vous avez aussi oublié de me lire. Oh non. Je vous ai lu, Jérôme. Asseyez-vous. Je vous ai lu et vous n'allez pas être content. L'histoire est beaucoup trop confuse. La psychologie de vos personnages manque totalement de subtilité. C'est bien simple, on s'attache à personne, même pas aux victimes. Quant au style... Bon Dieu merde, cette fois l'histoire fonctionne, non? Vous n'allez pas me dire que vous avez découvert l'assassin, ou compris son mobile? Ben si, dès la page 32, tout est tiré par les cheveux. J'ai passé 15 ans de ma vie à la crime, d'accord? 15 ans! C'était vous qui avez ma faute que j'ai pu l'enquête? Sa barde, c'est qui? Gallois. Vous n'êtes qu'une sale petite bonne femme née avec une cuillère en or dans la bouche. Mais faites attention, Julie Martial. La rougance, ça se fait toujours. Et ça se fait cher. Non, mais quelque chose, Pascal. Il va la cogner, là. Non, bah attends, ça va. Qu'est-ce que. Attends, moi j'ai une livraison à faire. Sortez! Qu'est-ce que... Tout va bien? Tout va bien. Monsieur Gallois s'apprêtait à sortir. Si vous voulez bien le raccompagner, Pascal? Non, ça va, c'est bon. Je connais le chemin. Merci, Pascal.
bonjour. Je voudrais parler au capitaine Simon, s'il vous plaît. Au sujet de l'assassinat de Fabien Danvers. Julie Martial. M-A-R-T-I-A-L. Oui, je patiente. Je patiente. Vous êtes aux communications avec la brigade criminelle. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Salut cousine. Tu vis dans le noir maintenant? Je crois que j'ai peur. Peur? Peur de quoi? Je reçois des lettres bizarres qui parlent de crime. Il n'y a pas de signature. Il y a une tache rouge à la place, comme du sang. Les romans, tu les publies ou tu les écris maintenant? Non, mais j'en ai reçu une autre hier. Il y avait un 2 sur l'enveloppe. Regarde. Regarde. C'est une mauvaise blague. Et ce fait, c'est quoi? Un auteur est conduit, c'est pas la première fois que ça t'arrive, non? Coucou m'a dit que Galois était sorti d'ici en voulant faire la peau. Non, mais Galois, il a pas pu envoyer le fax, il traversait la cour, je l'ai vu. Mais ça se programme, un fax. Ouais. Fax de conneries, t'as mieux à faire. Et moi aussi. Mais attends, c'est pas malin ce que tu fais. J'aurais pu avoir envie de le montrer aux flics. C'est quand même des lettres anonymes qui parlent de crimes avant que la presse ne les publie. L'auteur a accès aux dépêches d'agence. Comme ton futur ex-mari, là. Qui non seulement se bourre la gueule, mais... En plus, vend ses photos aux journaux. Christian? Mais il ferait jamais ça, Christian. Il est paumé, il m'en veut de demander le divorce. Mais il ferait jamais ça. Oh là là. Ça te va pas, toi, d'être sentimental, hein? Heureusement que ça t'arrive pas souvent. Alors. T'as raison. Tant qu'on perd avec ces conneries. Ah non, attends, là j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, je viendrai voir tes maquettes à l'imprimerie parce que j'ai rendez-vous au palais de justice dans un quart d'heure. Je passe en conciliation avec Christian, justement. Si tout va bien, dans un mois, je suis une femme divorcée. Enfin, une bonne nouvelle. Julie, attends. Ça s'est passé comment avec Galois? Oh, je le virai. Son polar est nul. Il écrit comme je cuisine. Son premier livre a très bien marché. Les mémoires d'un ripou, ça marche toujours, c'est pas pour ça que c'est intéressant. Et tu crois pas qu'on a tous droit à une deuxième chance? Bon, écoute, je suis pas assistante sociale, je suis éditeur, ok? Et Galois n'est pas écrivain. Bon! Attends, excuse-moi. Je suis nerveuse en ce moment. Je reçois des lettres anonymes en lien avec des crimes qui font la une dans les journaux. Guillaume me dit que c'est une plaisanterie, mais bon... Une plaisanterie? Mais qui s'amuserait à faire des plaisanteries pareilles? J'en sais rien. La dernière fois que j'ai vu Christian, il était complètement défoncé. Il est prêt n'importe quoi pour que je renonce au divorce. À savoir ce qu'il peut faire. Oui, bonjour, je voudrais parler à Julie Martial. Capitaine Marc Simon. Vous pouvez me donner son numéro de portable? Ah, ben alors demandez-lui de me rappeler. Vigo vous attend depuis presque une heure. J'ai voulu dire que vous avez une journée très chargée. On a tous des journées chargées. Vous êtes mon éditeur, je ne demande pas la lune. Je veux juste les détails de la mise en place du plan média pour le prix Balzac. Mais bien sûr, François, je vais me faire un plaisir de vous expliquer tout ça. Ah, tout de même. C'est à croire vraiment que les auteurs dérangent dans cette maison. Mais je peux aller chez Gallimard, hein, si vous voulez, depuis le temps qu'ils me font de l'œil. Julie, attendez.
Un certain Marc Simon de la brigade criminelle a déjà téléphoné 2 fois. Il paraît que c'est vous qui avez cherché à le joindre. Oui, oui, oui. Rappelez-le. Dites-lui que c'était une erreur. Françoise. 5000 exemplaires, c'est beaucoup. Vraiment. Comment ça s'est passé avec Lucien? Il n'est pas venu. Je le tue. Je veux bien un réassort de 2000 exemplaires, mais pas plus. Et encore, je prends des risques. Mais vous rigolez. Si Vigo a le prix Balzac, c'est 10 000 exemplaires qu'il va vous falloir par semaine. Oui, enfin, je veux pas être pessimiste, mais elle est mal placée. Justement, si elle l'a quand même, c'est le raz-de-marée. Et le public adore les outsiders. Oui, Coco. Oui. Non, on dérange pas. C'est qui? Capitaine Marc Simon. L'erreur. Vous vous rendez compte de l'effet de votre intervention sur mes représentants? Et vous, vous vous rendez compte que vous avez appelé la crime? Et que maintenant, pour vous, c'est une erreur? Oui, bon, tout de même. Vous auriez pu être un peu plus discret. Prendre rendez-vous, par exemple. J'ai essayé. Pourquoi est-ce que vous avez demandé à nous parler? Pourquoi est-ce que vous avez renoncé? Je vous ai appelé parce que j'ai lu le début d'un manuscrit qui ressemblait au crime dont la presse a parlé. Et puis je me suis rendu compte que c'était complètement idiot, que ça n'avait rien à voir. Je me suis laissé déborder par mon imagination. On peut le voir, ce manuscrit? Non. Nous détruisons systématiquement tous les manuscrits qui ne nous intéressent pas. Systématiquement et immédiatement. Systématiquement et immédiatement. C'est bien, vous êtes très efficace. On reçoit 120 manuscrits par mois. On ne peut pas se laisser déborder. Si vous voulez bien m'excuser, je souhaite continuer la réunion avec mes représentants. Qui est-ce? Félix Martial, mon grand-père, le fondateur de cette maison. Si vous le récupérez, ce manuscrit, appelez-moi. Alors? Alors, elle ment. On est normal, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, toi, rentre, moi je marche. Ok. Vous êtes où? Elle est à son bureau. Bon, vous me la lâchez pas d'une semaine. Vous notez tout ce qui est antique qui sort. Ah non. Tu mets pas le portrait de Rodin en couverture. Suffisamment vampirisé sa vie comme ça. Mais quoi alors? La suppliante. C'est magnifique et c'est elle. Comme tu veux, ma princesse. Après tout, c'est ton patron, hein? Le patron compte sur toi pour que le livre soit en rayon à Noël. Ça va faire des heures sup, c'est pas bon pour la vie de couple. Hein. T'as quelqu'un? Quoi? Allez. Tu sais ce que disait grand-père? Oui, les histoires de cœur font une bonne littérature. Une très mauvaise conversation. Monsieur Martin, bonjour, je suis Madame Boiron. Entrez, je vous en prie. Je crois me souvenir qu'au téléphone, vous m'avez dit être surtout intéressée par la grande terrasse. Comme vous pouvez le voir, la vue est magnifique, j'adore, on s'en lasse pas. Regardez la péniche qui passe. Oh! Le 5 maintenant aussi, à quoi il joue bordel? Sudoku. Je vous raconte pas le nombre d'empreintes. Faut dire que ça faisait une semaine que la proprio faisait visiter.
Alors, le corps a été basculé à 14h35 et à 14h30, elle avait rendez-vous avec un certain monsieur Martin. C'est un nom d'emprunt, ça sûr. Il y a aussi son portable. Sûrement une mobicarte anonyme, non? Oui, oui, c'est possible. Le rendez-vous d'avant, c'était qui? Le rendez-vous d'avant 14h, monsieur et madame Grégorio. Tu me les convoques? Pourquoi? Parce qu'il y a de bonnes chances qu'ils aient croisé l'assassin. Raphaël Ozella? Elle est arrivée. Elle est heureuse de te revoir. Bon, je vais voir le mari. Putain, Joël. Mais je ne comprends pas. L'appartement était vide. Il n'y avait rien à voler. Et puis Viviane, tout le monde l'aimait. Elle n'avait pas d'ennemis. Est-ce que le chiffre 6 a un sens particulier pour vous? Le 6? Non. Nous, c'était plutôt le 2. Je suis né un 22 juillet. Viviane est née le 2 mars 1952. Et on s'est mariés le 22-02-72. Pardonnez-moi, je vais vous montrer des photos difficiles à supporter. Mais j'ai besoin de savoir si ces visages vous disent quelque chose. Non, je les connais pas. Qui c'est? Les deux précédentes victimes, marquées au front de la même façon que votre femme. Et cette jeune femme, vous la connaissez? Julie Martial. Non, pas personnellement. Quel est le rapport avec Viviane? On ne sait pas, monsieur Bourne. On cherche. Excusez-nous. L'assassin au tampon en fer a fait une nouvelle victime ce matin. Une femme âgée de 56 ans, Viviane Boiron, a été défenestrée du 12e étage d'une tour dans le 15e arrondissement à Paris. C'est le capitaine Marc Simon qui est chargé de l'enquête. Il n'a pas souhaité faire de déclaration. C'est en tout cas le troisième meurtre de la sorte. La victime portait, comme les deux précédentes, la marque d'un tampon encreur sur le front avec un numéro différent. Il s'agissait cette fois du chiffre 6. La police envisage clairement l'hypothèse d'un tueur en série. Voilà pour la principale information de cette soirée. Tout de suite, les nouvelles du temps, la météo. Ouvre, Julie. Julie, je me suis trompé que tu sois démaquillée. 12 degrés. M'expliquer ce que tu fais là? Une petite coupe avant l'extinction des feux? Non. Sûrement pas. J'ai qu'une envie, c'est de filer sous ma couette. Ah, ben c'est un programme qui me va tout à fait. Bon, Bart, j'ai pas dû être assez clair. Ce qui est arrivé une fois par hasard ne se reproduira pas. Pourquoi c'était si désagréable? Justement, t'en gardais un bon souvenir. C'est très dur. Et toi, très marié, non? Bon, pas tant que ça. On se sépare. Elle garde le chien et moi les bouquins. On boit une coupe pour se remonter le moral et tu t'en vas. Et interdiction de parler de nos conjoints. Comme disait mon grand-père, les histoires de cœur font une bonne littérature et une très mauvaise conversation. C'est vrai que tu lui ressembles. Avec de plus beaux seins. Les seuls indices probants sont ces trois chiffres. 2, 5, 6. Est-ce qu'on doit lire 2,56, 25,6? On peut aussi supposer que ces chiffres sont des symboles, censés représenter des lettres qui finiront par former un mot. Par exemple, 256 égale B, E, F. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le début d'une plaque minéralogique, l'indicatif d'une ville étrangère, un numéro de compte en banque. Non, Alex? Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la personnalité de l'assassin ne cadre pas avec le profil du tueur en série classique. Pas de viol des victimes, pas de sévices ni de mutilations. Aucune connotation sexuelle. Le criminel ne tue pas pour satisfaire des pulsions incontrôlables. Il ne cherche pas non plus à déshumaniser en défigurant ses victimes. Notre tueur suit un plan précis. Ça veut dire qu'il tue avec un mobile défini et qu'il ne choisit pas ses victimes au hasard. Exactement. Et pourtant, les victimes n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça, c'est ton point de vue. Mais lui, c'est pourquoi il tue.
Et qui es-tu ? Alors hier, j'étais au dîner chez les Orgeval, et non seulement Vigo ne part pas favorite, mais en plus elle a contre elle un juré à qui tu as refusé un carnet de voyage. Patrick Masson ? Oui. Oh merde. C'est pas de bol ça. Tu sais ce que tu fais ? Tu l'invites à déjeuner, je vous rejoins au café et je lui dirai le plus grand bien de son dernier roman. Ah, très bien. Les Ombrageuses, page 25, tu bailles, page 50, tu somnoles, page 100, tu dors complètement. Dis Patrick Masson, quoi. Voilà. Voilà. Non, je sais ce qu'il y a dedans. C'est cette femme jetée du 12e étage. Je l'ai vue hier à la télé. Non, arrête ! Arrête ! Julie, tu dois ouvrir cette enveloppe. Si elle contient ce que tu crois, tu dois prévenir la police. Non, je sais ce que j'ai à faire. Je touche à rien du tout. Rien, je prête à personne, je touche à rien. Attends, j'ai pas un truc fort. J'en peux plus de cette histoire. Pourquoi tu veux pas parler à la police ? Parce que j'ai plus aucune preuve. J'ai reçu un fax et Guillaume l'a jeté. Moi, j'ai balancé les deux autres courriers. Le courrier d'aujourd'hui, ça suffit pas. Écoute, Isa, je dois sûrement raconter des histoires. Il doit y avoir un tordu quelque part qui essaye de me faire peur. Et quand il verra que je réagis pas, il se lassera. Ouais, tu ferais mieux de parler à la police plutôt que d'enfermer tout ça à double tour dans ton tiroir. Écoute, je veux plus en parler du tout. Alors on évite le sujet et toi, tu n'en parles à personne. Combien je vous dois ? Capitaine ? C'est Fred. Alors, elle boit du cognac à 10h du mat et elle fait promettre à sa copine de la fermer. Eh ben, conclusion, elle nous prend pour des cons. Non ? J'ai pas rendez-vous. Et on ne prévient pas. Pardon, je sais que j'ai pas rendez-vous. Je vous dérange pas longtemps. Vous avez un joli bureau. Oui. Quatre tiroirs et un seul qui ferme à clé. Oui. J'aimerais comprendre pourquoi on retrouve dans votre bureau une lettre soigneusement cachée et qui parle d'un crime commis hier. Ça vous paraît normal ? On me l'a envoyée. J'en sais pas plus. Ça vous arrive souvent de recevoir du courrier et de le ranger dans un tiroir avant de le lire ? Sauf si c'est vous qui l'avez écrit, là, évidemment, pas besoin de l'ouvrir, vous savez ce qu'il contient. Bien sûr. J'adore m'envoyer des lettres d'horreur. Je fais ça en semaine parce que le week-end, j'assassine des gens. Je crois que vous vous rendez pas compte de là où vous êtes et de la gravité de la situation. Est-ce que ça vous arrive souvent de recevoir une lettre et de la ranger sans la lire ? J'ai pas osé ouvrir cette lettre parce que je savais ce qu'elle contenait. J'en ai déjà reçu deux, avec les chiffres 2 et 5. Chaque lettre racontait en détail les deux premiers crimes. Et à chaque fois, il y avait cette tache rouge en guise de signature. Quand j'ai su que les crimes s'étaient réellement produits, j'ai cherché à vous joindre. Et là, j'ai reçu un fax qui me menaçait de mort si je prévenais la police. Alors j'ai raccroché. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces deux enveloppes ? Je crois que vous n'allez pas aimer. J'ai tout jeté. Ah ça, non, je veux pas aimer, non.
J'avais détruit les indices capitaux pour l'enquête. Sur le fax, il n'y avait pas de numéro, pas d'expéditeur. Je suis désolée, j'ai vraiment cru à une mauvaise blague. Mais bon, dans mon métier, c'est courant de recevoir des lettres injurieuses, voire menaçantes. Si je les prenais au sérieux, je passerais ma vie à avoir peur. Et avoir peur, c'est pas votre genre. Mademoiselle Martial. Non, en effet. Que vous le vouliez ou non, vous êtes mêlée à des meurtres. Et j'aimerais savoir qui vous déteste assez pour vous nuire à ce point. Personne. Tout le monde, j'en sais rien, moi. Tous les auteurs à qui j'ai refusé un manuscrit, ça fait déjà pas mal de monde. Mon mari qui me refuse obstinément le divorce. Son nom ? Christian Fabre. Messieurs, suivez-moi, s'il vous plaît. C'est bon, je m'en occupe. Messieurs, si vous voulez bien me suivre. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur. Bonjour, je suis son cousin, Guillaume Martial. Si vous retenez Julie une minute de plus, on porte plainte pour harcèlement. Et si c'est une garde à vue, je pense que vous avez violé la procédure parce que je ne vois pas d'avocat. Elle n'est pas en garde à vue, elle est là comme simple témoin. Ah, c'est une habitude d'obliger vos témoins à ouvrir leur tiroir? En tout cas, elle va rentrer avec moi, hein, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, capitaine. Absolument pas, d'ailleurs, nous avons terminé. Ça va aller? Ouais. Tu veux que je monte avec toi, que je te fasse couler un bain? Non, j'ai besoin d'être seule. Ça me dépasse tout ça. Tu m'expliqueras. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? J'y comprends rien moi-même. Non, je voulais dire, tu m'expliqueras pourquoi tu refuses toujours ce qui pourrait te faire du bien. Disons que je bloque. Ou je débloque, je sais pas. Je tiens à toi, tu sais. Vraiment. Tu te rends compte? Tu veux que je vienne dormir chez toi? Non, je veux rester là. Bon. Bonne nuit, ma Julie. Mais si ça va pas, tu rappelles, hein? D'accord. Allez, je t'embrasse. À demain. Je voudrais voir ça que tu me laisses tomber à 1h du matin pour ta garce de copine. Oh, sois pas méchant. C'est terrible ce qui lui arrive. Elle récolte peut-être ce qu'elle a semé, non? Je sais que le courant passe pas entre vous, mais... C'est ma meilleure amie. Ta meilleure amie? C'est pour ça que t'oses même pas lui dire qu'on est ensemble. Il est temps que la vie l'humanise un peu, ta copine. On devrait toujours raconter sa vie à la gardienne. Si t'avais été plus bavarde, elle aurait su que tu m'avais chassé il y a 6 mois. Elle m'aurait jamais confié ça. Ah non, c'est à elle que je dois les rendre, pas à toi. J'ai promis.
Il est complètement dingue, son mec. On est quoi aujourd'hui? Le 12? Oui, pourquoi? T'as oublié? C'est notre anniversaire de mariage ce soir. Cadeau. Arrête! Arrête! Oui, j'y vais, là. Envoie-moi des gars chez Julie Martial. Divorce, le divorce! T'as que ce mot-là à la bouche! J'en peux plus, moi, de ton histoire de divorce, là! Regarde-toi, tu pues l'alcool! T'es sale, tu te respectes même pas! J'ai envie de toi! Fous-moi la paix! Fous-moi la paix! Tu vas te calmer, hein? Tu vas te dessouler, tu vas rentrer chez toi, je t'appelle demain, ok? Bonjour, c'est Julie, laissez votre message après le bip. Oui, Julie, c'est le capitaine Simon. Si votre mari passe chez vous, surtout vous ne vous aucun prétexte. Mais c'est pas vrai! Tu m'as foutu les flics sur le dos! Mais t'es une vraie salope! Avec vous? Une fois. Vous voyez mettre de la glace avant que ça gonfle. On sait que c'est toi. On a vu les photos dans ton atelier. Tu la suis, tu l'espionnes, tu fais tout ça pour te venger d'elle. Je sais pas de quoi vous parlez, là. On parle de ça, connard! Je te connais pas. Putain, je t'emmerde. Tu m'emmerdes, moi? Regarde! Fred! Tu m'emmerdes! Oh. Fabien d'Anvers. Vivienne Boiron, Geneviève Marchal. Ils sont morts tous les trois, pourquoi? On n'est pas pressé. On a tout notre temps. Tu utilises bien des tampons encore pour tes photos, non? Qu'est-ce que ça prouve? Et puis je les connais pas, pourquoi j'aurais fait ça? Pour faire peur à Julie, par exemple. Julie? Jamais peur. Même quand t'essaies de la violer? Je voulais pas ça. Je... La suivre, la prendre en photo, c'était pour la perdre un peu moins vite. Elle aime pas tes photos. Elle pouvait aimer ta littérature. Arrête. C'est pas moi, arrête. Et ça? T'as une idée de qui peut lui envoyer des trucs pareils? T'as pu analyser les documents que je t'ai fait passer? Eh, pas d'empreinte. Ni sur les feuillets, ni sur l'enveloppe. Elle a été fermée à la colle, pas de salive, pas d'ADN. Ah, c'est dommage. Et l'encre? Elle est produite par Albatros, exclusivement. C'est une encre assez courante, réservée à l'imprimerie. En revanche, l'analyse de la tache rouge a livré un verdict assez intéressant. C'est bien du sang. Donc ADN possible? Absolument. Et alors là, pris d'une inspiration quasiment artistique, j'ai comparé le sang de la lettre à celui de feu Madame Boiron. Tu veux dire que le sang de la signature, ce serait le sang de la victime? Affirmatif, à 100%. Il écrit les lettres, il tamponne ses victimes, et ensuite il trempe sa plume dans leur sang pour signer le courrier. On n'arrête plus le progrès. Pourquoi?
Il faut comprendre pourquoi il envoie des lettres tachées du sang de ses victimes à Julie Martial. Dans quel but? Regarde, t'as l'air d'une pile électrique. Je comprends pas que tu sois pas resté chez toi. Faut que tu te reposes. T'as vu un médecin? Mais j'ai pas envie de me reposer. Ici aussi, il y a des problèmes. Vigo a pas eu le prix et les libraires nous retournent déjà les réassorts. Non, écoute, Julie, franchement, Vigo, on s'en fout. J'arrive pas à croire que Christian soit l'assassin. Mais je t'ai dit que ce type était un déséquilibré. Les dopes et alcool n'ont rien arrangé. C'est un dingue. Tu sais ce que c'est qu'un psychopathe? Oui, oui, je sais ce que c'est un psychopathe. Je sais ce que c'est un psychopathe et Christian n'est pas psychopathe. Écoute, hey, tu veux pas venir t'installer à la maison pendant quelques temps, le temps de te remettre de tes émotions? Non, ça va aller. Merci. Je voudrais le numéro de téléphone des éditions Martial, à Paris. Coco, reviens. Coco, ça sonne. Ben décroche. J'ai quand même encore le droit de faire pipi, non? Oh. Édition Martial, j'écoute. C'est Élise Morange. Je veux parler à Julie Martial. C'est personnel et urgent. Oula, mais je ne peux pas vous la passer comme ça. C'est une question de vie ou de mort, monsieur. Oui. Non, je ne plaisante pas. Passez-la moi. Quittez pas. Oui. Oui, une certaine mademoiselle Morange pour vous, c'est urgent. Passez-la moi. Oui, bonjour, Julie Martial. Et quel rapport avec moi, mademoiselle Morange? C'est pas au téléphone, mon petit. C'est trop personnel et trop intime. Mais c'est de vous qu'il s'agit. De votre passé. Et du mien. Comment ça, de mon passé et du vôtre? Je vous attends à 21h, 24 Allée des Peupliers, à Gisors. À Gisors? Mais c'est loin, Gisors. J'aurais tout préparé. Vous jugerez sur pièce. Mais je vous préviens. La vérité est terrible. Il vous faudra beaucoup de courage pour l'affronter. À ce soir. Non, ne dis pas que tu vas y aller. Je crois que si. T'es folle. Bon, ben je viens avec toi. Non, non, tu viens pas avec moi. Alors, une inconnue t'appelle, te demande de venir chez elle, le soir, à 50 bornes de Paris, et toi, tu y vas comme ça. Écoute, si cette femme peut m'expliquer le lien qu'il y a entre moi, ses lettres, ses crimes, alors oui, 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 j'y vais, j'y vais. Non, pas toute seule, et pas sans moi, en tout cas. T'as pas d'ordre à me donner, Guillaume. Je t'appellerai dès que je rentre. Et si tu reviens pas?
Marcel Morange? Mademoiselle Morange? Mademoiselle Morange? Je suis Julie Martial. Mademoiselle Morange. Embarquez-la. Attendez, attendez. Il faut prévenir le capitaine Marc Simon à la crime. Je vous en supplie, c'est lui qui s'occupe de cette affaire. Appelez-le, il vous expliquera. Je vous en supplie. Viens le regarder. Vous avez prévenu un voisin ? On a reçu un appel téléphonique à 21h qui parlait d'un cambriolage. Si on avait pu imaginer une seconde qu'en fait de cambriolage il s'agissait d'un meurtre, enfin on a pris l'assassin en plein flag. Vous avez vu Julie Martial poignarder cette femme ? Non, mais c'est tout comme, on a trouvé l'arme à la main à côté de la victime. Oui, moi j'appelle passer un flag. Elle est où ? Là. C'est pas moi. Je sais que tout m'accuse, mais c'est pas moi. Je viens vous croire, mais qu'est-ce que vous faisiez ici? Élise Morange m'a appelée au bureau. Elle voulait me voir d'urgence. Vous étiez seule quand vous avez reçu ce coup de fil? Non. Il y avait des témoins? Guillaume était avec moi. Il voulait pas que je vienne. Enfin, il voulait m'accompagner. Mais j'ai refusé. Et puis... Quand je suis arrivée ici, tout était ouvert. On aurait dit qu'on avait tué cette femme pour que je la découvre. C'est pas à vous de mener cette enquête. Il faudra combien d'autres meurtres pour que vous mettiez ça dans le crâne? Si vous m'aviez prévenu à temps, cette femme serait encore vivante et vous ne seriez pas là. Est-ce qu'Élise Morange vous a dit le lien qui l'unissait à Geneviève Marshall, la première victime? Non. C'était sa sœur. Regardez. C'était coincé sous le corps de la victime. Martial et Sandberg. C'est curieux, ça. Félix et Raphaël Edmond Charles Pierre, mars 1940. Martial et Sandberg. On a localisé l'endroit d'où le coup de fil anonyme a été passé. L'assassin a tiré Julie Martial dans un piège. Élise Morange, il a laissé la porte d'entrée ouverte. Il vous a appelé de la cabine vers 21h quand il a vu Julie arriver. Hypothèse, simple hypothèse. Rien ne prouve qu'elle n'est pas coupable. Attendez, capitaine. C'est le quatrième meurtre d'un tueur en série. Hein? Alors on va tous mettre son petit ego personnel de côté, on va servir l'intérêt de l'enquête. Vous voulez qu'on appelle le substitut pour savoir qui de la crime ou de la gendarmerie locale d'échanger de l'affaire? Tu relèves un échantillon de cette huile. Et tu me relèves les empreintes dans la cabine. Ils en sont où? Ils ont trouvé des traces de pneus devant le portail, identifiées comme des Michler ASX. Traces qui ne correspondent à aucun des véhicules présents sur les lieux. Compris celui de Julie? Oui. Notre voiture est venue se garer devant l'entrée de la maison, avant la sienne. Et vu le type de pneus, on peut miser sur un 4x4. Ah bah c'était pas mal. On a encore beaucoup mieux.
Vous les connaissez tous? Non. Mon grand-père est au premier rang. Lui, c'est Raphaël Sandberg. Et les autres... Non. Non, je sais pas qui c'est. Mais c'est qui, Raphaël Sandberg? C'était l'associé de mon grand-père. Ils ont fondé la maison d'édition ensemble en 1932. Ils étaient comme deux frères. Sandberg était juif et quand la guerre a éclaté, mon grand-père l'a caché dans une cave avec sa femme et son petit garçon. Et puis deux fois par semaine, pendant la nuit, il venait l'approvisionner. Fin 42, on ne sait pas comment la Gestapo a découvert la planque. Ils ont été déportés tous les trois à Auschwitz. Mais pourquoi votre grand-père n'a-t-il pas repris le nom de Sandberg après la guerre? C'était pas un peu comme le tuer une deuxième fois? Mais c'est dégueulasse ce que vous dites. Chacun gère sa souffrance comme il peut. Certains ont besoin de perpétuer le souvenir, d'autres de le faire taire. Mais vous êtes qui, vous, pour juger? Fred, Simon, tu me sors la liste des véhicules qui ont été flashés sur la route de Gisors entre 15h et 21h, s'il te plaît. Ça va aller? Oui. Merci. Je ne juge pas, Julie, je cherche. Et j'ai besoin de votre aide. Et Christian? On a la preuve que ça ne peut pas être lui. Vous allez le relâcher? Ça dépend de vous. Si vous portez plainte pour violence conjugale... J'ai besoin de réfléchir. Capitaine. J'aime bien quand vous m'appelez Julie. Élise Morange et Geneviève Marshall, née Morange. C'est la première fois que nous avons un lien entre deux victimes. En l'occurrence, un lien de parenté. En revanche, question chiffres, ça reste un mystère. 2, 5, 6, 8, je vois pas le lien. Aussi, lui, c'est formel. Mademoiselle Morange a été assassinée entre 18h et 19h30. Julie Martial était encore à son bureau à cette heure-là. Idem pour le mari, Christian, qui est toujours en garde à vue. À propos, qu'est-ce qu'on en fait? On attend. On a des nouvelles sur la nature de l'huile prélevée près de la cabine téléphonique? On attend les résultats du labo. Le labo s'est déplacé en personne. Il avait besoin de prendre l'air. Et de se faire inviter à déjeuner. Je comprends pas, là. Il s'agit d'une huile qui contient des particules d'aluminium utilisées par certains constructeurs de motos. Un 4x4 pourrait l'utiliser? Dans le cadre d'une tentative de suicide, éventuellement. Merci. Ce sont les véhicules flashés hier après-midi sur la route de Gisors. Alors, on a deux berlines, un 4x4 et une moto, une routière de grosse cylindrée. Bah, c'est peut-être mon huile, ça. Tu vois ce que je vois? Oh, putain.
Des Micler ASX. Bon bah je crois qu'on peut oublier la piste de la moto là. Semble ça, non? Vous avez été flashé à 18h30 à 155 km/h. Vous êtes venu jusqu'ici pour me retirer des points? À la sortie de Gisor. On a trouvé des traces de pneus de votre voiture devant la maison d'Élise Morange. Élise Morange, ça vous dit quelque chose? Elle a été assassinée entre 18h et 19h30. Je ne l'ai pas tuée. Oui, Fred, vérifie-moi tous ces alibis. On est bien d'accord que vous étiez chez Mademoiselle Morange, alors présumé des faits. J'étais bien chez Mademoiselle Morange, mais quand je suis parti, elle était vivante. Alors qu'est-ce que vous faisiez chez elle si vous ne l'avez pas tuée? Je voulais protéger Julie. M'assurer que ce n'était pas un guet-apens et que l'auteur du coup de fil était bien une vieille dame inoffensive. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu Mademoiselle Morange dans son salon, entourée de ses classeurs, de ses livres. J'ai pas voulu l'effrayer, je suis parti, voilà, c'est tout. Mais non, pas 1947, ça m'intéresse pas. Je vous ai dit entre 39 et 42. Oh, 1939, ah oui. 1942. Oui, pardon. Alors... Non, 42. Oh. Oh. Descendez de là, je vais faire ça aussi bien toute seule. 39 et 42. Voilà. C'est pas sorcier, hein. Merci. Démission de Pierre Morange, Edmond Barchac et Charles Pasquier. Faites-la attendre, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? On me l'a envoyé ce matin. Tiens, demande au labo de voir ça en priorité. Et en cherchant dans les archives, j'ai trouvé Capitaine. Un dossier sur... Qu'est-ce qu'on fait avec Martial? Il demande à voir son avocat. Je sais pas, j'arrive. Deux minutes. Martial, quoi? Guillaume? Il a été flashé à 18h30 sur la route de Gisors. Il a reconnu d'autres faits. Il est obligé de vérifier quelques détails. Sur la route de Gisors? Il prétend qu'il voulait vous protéger. Qu'il voulait s'assurer que vous aviez bien rendez-vous avec une vieille dame. Je peux le voir? Non, non, pardon. Mais vous ne pouvez pas. Vous pensez quand même pas qu'il est coupable? Je vous demande pardon, il faut que je termine cette audition. Jérôme, tu le raccompagnes. Non, attendez, attendez, capitaine, vous devez le croire, il dit la vérité. Il a toujours cherché à me protéger.
plaît. Bon, j'ai vérifié les alibis de Guillaume Martial. Pendant le meurtre de Viviane Boiron, il déjeunait au resto avec un client qui a confirmé sa présence. Idem pour le crime de Geneviève Marshall. Le jour dit, il n'a pas quitté l'imprimerie toute la journée. Donc matériellement, il était impossible de se trouver dans le Pas-de-Calais. Et merde. Ça collait bien pourtant. Allô, Julie, c'est moi. Ils m'ont libéré, ouais. Écoute, il faut que je te parle de grand-père. Mais je ne t'ai rien caché, tu m'as jamais rien demandé, c'est différent. Je passe chez toi demain, d'accord? Allez, repose-toi bien. C'est pourquoi, cher monsieur, je vous demande une remise de 15% sur les 3 tonnes de papier verger 110 grammes avec un échéancier modifié. Tenez, capitaine, écoutez ça. Merci. Julie, je te demande pardon. Je savais qui était Mademoiselle Morange et pourquoi elle voulait le voir. J'y suis allé pour la convaincre de ne pas te révéler un secret que je connais aussi. Sur son lit de mort, grand-père m'a vu jurer de me taire quoi qu'il arrive. Julie, protège-toi. Tu es en danger. Je pensais que c'était bien plutôt que... Justement, essayez de penser un peu. Je suis vraiment désolé. Désolé de quoi? Que Guillaume soit pas l'assassin. J'ai trouvé qui était Pierre. Charles et Edmond sur la photo. C'était les membres du conseil d'administration des éditions Martial. Edmond Barjac, Charles Pasquier et Pierre Morange. Élise et Geneviève sont les descendants directs de Pierre Morange. Vous et Guillaume, de Félix Martial. Si Fabienne Anvers et Viviane Boiron sont les descendantes de Barjac et Pasquier. Oui, oui, ça commence à prendre forme. Raphaël Sandberg avait des descendants? Non. Non, sa seule famille, c'était sa femme et son petit garçon Isaac. Ils ont été déportés tous les trois. Et aucun n'est revenu.
Marc, c'est Julie. Vous m'aviez demandé si les Sandberg avaient d'autres amis proches que mon grand-père. J'ai pensé quelqu'un. Le professeur Florentin, il enseigne au Collège de France. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Bonjour, madame. Écoutez, merci. Il vous attend. Je vous en prie, ne le fatiguez pas. Il a eu une attaque l'année dernière et sa santé est fragile. À l'époque, mon Dieu, j'avais 8 ans, n'est-ce pas? Je ne me souviens plus très bien des parents Sandberg. Pourquoi dites-vous des parents Sandberg? Parce que je me souviens beaucoup mieux de leur fils, Isaac, avec qui j'étais copain. Et je m'en souviens d'autant mieux que j'étais la cause involontaire d'un terrible accident. Je vous écoute, monsieur. J'avais prêté ma bicyclette à Isaac. Je savais en faire, lui pas. Il s'est cassé la figure. Il s'est crevé un œil. Pauvre Isaac. Mais le pire était à venir. La déportation, la mort dans les camps. Une horreur. Ce sont des souvenirs bien pénibles que vous me demandez d'évoquer, jeune homme. Sur le front des victimes correspondent au numéro de déportation de Raphaël Sandberg. Et il y a tout lieu de craindre que le 9 finisse sur le front de Julie Martial. Tout laisse à penser que le mobile de ces 5 meurtres est la vengeance. Mais qui peut se venger 70 ans après? Quelqu'un qui pense à tort ou à raison que les auteurs de la dénonciation de Sandberg étaient Martial et ses associés. Et si Raphaël Sandberg n'a aucun descendant, qui peut vouloir le venger 2 générations plus tard? Alex. C'est sûrement quelqu'un qui, comme beaucoup de tueurs en série, a une double personnalité. La première d'apparence quelconque. Quelqu'un de très ordinaire, qui ne s'est jamais fait remarquer. Et l'autre, celle qui nous intéresse, beaucoup plus intelligente, méthodique et structurée. On est aujourd'hui le 15. Dans 2 jours, le 17, c'est la date anniversaire de l'arrestation de Raphaël Sandberg. Ce qui nous amène à conclure... Que le 17 pourrait être le jour où l'assassin a décidé d'exécuter sa dernière victime. Elle est où? Sur le bureau. Vous l'avez ouverte? Elle a été déposée pendant que j'étais à l'imprimerie. Par qui? On sait pas. Coco l'a trouvée devant la porte extérieure. Le 9, c'est Guillaume, c'est ça? Je demande à ce que vous soyez mis sous protection policière. Deux de mes hommes vont vous suivre dans tous vos déplacements. Et surveilleront l'entrée de votre immeuble. Et puis vous avez mon portable, évidemment, vous vous en servez si vous en avez besoin.
tout ça. Je rentre chez moi. Très bien, on vous suit. Alors, comment ça se passe? Rien. Elle a pas encore fait son jogging? Bah non, une petite panne d'oreiller apparemment. Bon, ok. C'est resté comme ça toute la nuit. Oui, c'est normal, vous? Julie? Julie? Non, non, j'ai rien trouvé dans son bureau. Oui, mais tu viens sans ces deux-là, hein? Voilà, et puis dis à Alex que je suis sur place. Ok. Il y a un parking? Oui. Vous pouvez me conduire au parking? On va la retrouver, hein. Il faut qu'on la retrouve. Et ils étaient où, les flics qui étaient censés la protéger? Ça me rend dingue, ça. Et t'as qui, la moto, là? Pascal Morel, manutentionnaire. Ouais, Cosinus, j'ai besoin de toi pour un prélèvement d'huile. Essaye de venir le plus vite possible si elle provient de la même moto que celle de Gisor. Ah, je te passe, Alex. Merci. On peut le voir, Pascal Morel? Non, il apprécie RTT, mais c'est un garçon très gentil. Il ferait pas de mal à une mouche. Il est marié, il a une famille? Ah ben, je sais pas, moi, il était là depuis quelques mois, c'est tout. Hein. Il a un père hospitalisé en province. Ou je sais pas. Il veut pas l'exécuter sur place comme les autres. Il prend tous ses risques pour l'emmener ailleurs. Capitaine. Fais une prière pour que Bruno Morel connaisse la planque de son fils. Tiens. Oui, merci, Cosinus. C'est la même moto qu'à Gisor. Pascal Morel vient souvent, oui, c'est un fils très attentionné. Par là. Oui. Ils se sont parlé quand pour la dernière fois? Dimanche dernier, je crois. Enfin, parler, c'est un grand mot, hein. Bruno Morel ne parle pas, il est enfermé dans un mutisme total. Il est arrivé ici à la suite d'une tentative de suicide, il y a un an, c'était après la mort de sa femme. Depuis, il n'a plus dit un mot.
Il passe ses journées à fixer les murs et à dessiner des choses informes. Alors, tant qu'il y a du papier pour faire ses dessins, il reste calme. Mais quand il en est privé, il hurle et se cogne contre les murs. Pourquoi il a cherché à mourir? C'est là. Il souffre d'une dépression chronique. C'est sa 5e TS en 20 ans. À ce stade, on peut difficilement le soigner. On peut juste l'abrutir de médicaments pour l'empêcher de se détruire. Monsieur Morel, vous avez de la visite. Bonjour, monsieur. Capitaine Marc Simon, police judiciaire. Nous aimerions avoir quelques informations sur votre fils, Pascal. Pascal Morel est bien votre fils, n'est-ce pas? Vous m'entendez, monsieur Morel? Il nous entend ou pas? Oui, il vous entend, mais il ne peut pas vous répondre. Il est enfermé à l'intérieur de lui-même. Monsieur Morel, c'est une question de vie ou de mort. Raphaël Sandberg, ça vous dit quelque chose? Raphaël et Judith Sandberg. Monsieur Morel, Raphaël et Judith Sandberg. C'est pas la peine d'insister, il ne répondra pas. Et ces dessins, ça raconte quoi? L'implosion de la conscience, une folie géométrique. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi des fils de fer barbelés. Qui êtes-vous, monsieur Morel? Qui êtes-vous vraiment? Ou bien dois-je vous appeler... Monsieur Sandberg? Vous êtes le fils de Raphaël et Judith Sandberg, n'est-ce pas? Monsieur Sandberg, regardez cette photo. Est-ce que vous reconnaissez les hommes qui sont autour de votre père, Raphaël? Monsieur Sandberg? Oui, oui, il a certainement changé de nom après la guerre. Il a été dénoncé aux Allemands par le même homme qui l'a planqué, lui et toute sa famille, dans une cave pendant un an. Félix Martial. Voilà, ça pourrait être lui. Permettez, monsieur Sandberg. T'as pas l'impression qu'on est dans une cave, là, avec le puits de lumière au-dessus? Monsieur Sandberg. Je sais que vous m'entendez. Pascal est enfermé avec une femme dans une cave. On suppose que c'est la cave où vous avez été raflé. Si on ne le retrouve pas très vite, elle va mourir, vous comprenez? Alors essayez de vous souvenir, je vous en supplie, faites un effort. Après, je vous laisse tranquille. Dans cette cave, il y avait quoi? Il y avait quoi? Vous entendiez quoi? Vous sentiez quoi? Il y avait du bruit autour de vous? Des bruits qui venaient du dehors, par exemple? Capitaine. C'est quoi, on dirait une presse à bras? C'est pas la plomberie, ça? Les livres étaient restés dans la cave, là où mon parrain Félix Martial nous avait cachés. Il disait qu'on allait partir... Écoute! Je lis.
Il disait qu'on allait partir en Espagne, qu'on allait bientôt être libre. Il nous a trahis. Il nous a vendus, par cupidité, avec l'aval de ses trois associés. Pascal, et pourquoi est-ce que moi, je suis vivant? Maman n'aurait jamais dû me jeter du train, elle n'aurait pas dû me sauver la vie, je n'aurais pas dû devenir le fils de Jeannot Morel. Cheminot à Épernay, ma place était avec eux, je n'avais pas le droit de leur survivre, je n'avais pas le droit de changer de nom, pas le droit de vieillir, je n'avais pas le droit de faire un fils. Toute ma vie n'est qu'une imposture. Voilà, tout est là. Tout. Je ne savais rien, je vous jure. Et puis après, papa n'a plus rien écrit, et même parler, il ne pouvait plus. Alors il a essayé de mourir une fois, deux fois, cinq fois, et avoir une femme, un fils, ça le retenait pas parce qu'il était mort depuis longtemps. Pascal, je savais pas, pardon. Si seulement il avait pu me raconter son histoire. Mais non, il s'est enfermé dans le silence. Ce silence qui l'a rendu fou. Et moi j'ai retrouvé le cahier. Il était bien planqué pourtant. Je suis certain que même ma mère, elle était pas au courant qu'il existait ce cahier de merde. Alors moi, je suis venu à Paris. J'ai décidé de vous retrouver tous. Les uns après les autres. Et de vous faire payer. Faire payer quoi? Ils sont tous morts, les coupables, Pascal. Ils sont tous morts, mais Pascal. Non, attends, mais les vivants payent pour les morts. Non. Comme mon père pour ses parents. Comme moi pour mon père. Non. Pour toi, j'ai pas besoin d'armes. Cherche. Allez, on se disperse. Putain, mais c'est pas vrai, bordel. Tu cherches quoi en l'air? On cherche une trappe. Je vois rien. Y a pas de trappe nulle part, c'est peut-être dans une autre imprimerie. Non, ça peut être ici. Je suis sûr que c'est ici qu'il la cache. Allez, on continue de chercher. Lâche ton arme, Pascal. Vas-y, lâche ton arme. Toutes les issues sont gardées. Tu vas pas t'en sortir. Hein? Sois pas bête, lâche ton arme. Il va rien t'arriver. Dis-moi juste où est Julie. Pascal, dis-moi où est Julie. Vous arrivez trop tard. Vous arrivez trop tard. Jette ton arme. Regarde ce que t'as autour de toi. Je joue pas au con, vas-y, jette ton arme.
c'est elle. Venez voir. Putain, il y a de la terre là. Je dégage sur le côté à gauche. Là, là. Oh putain, elle est dedans. Allez, libère les ouvertures. Attends, ça me repart là. Il est où? C'est où? Attends, passe. Là. Allez. T'es prêt à l'ouverture? Ouais, c'est bon. Un, deux. Tiens, viens avec ça. Fred. C'est bon. Jérôme, tu la tiens? Prêt. Prêt à lever? Prêt. Doucement. Fred, descends le médecin! Julie. Allez, Julie. Julie, répondez-moi, vous m'entendez? Allez. Poussez-vous. Madame, vous m'entendez?